Et bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, nous nous retrouvons pour un temps de la semaine qui va donc concerner cette semaine, qui est, si je regarde bien, du 27 mars au 31. Voilà, voilà. Alors du coup, bon, cette semaine, on est sur une semaine assez douce, pas très loin des records d'ailleurs jeudi. Je vous en parle un petit peu là. Donc en fait, les températures vont monter progressivement jour après jour, pour atteindre vendredi une valeur de 21 voire 22 degrés. Donc bon voilà, à voir si ces températures vont à nouveau se produire cette semaine. C'est pour ça en tout cas que je fais ce temps du jour. Il y a peut-être un record à nos portes, hein, donc il faudra voir. Et puis bon, peut-être une dégradation en fin de semaine aussi. Donc on suivra tout ça. Hein. Déjà, rendez-vous ce soir pour le petit bilan du jour, à savoir qu'il a fait 4 degrés de minimal déjà. Ça fait du bien d'entendre ces oiseaux, n'est-ce pas? C'est une belle journée qui s'achève aujourd'hui. Vraiment impeccable. Vous voyez, ce temps bleu est resté là toute la journée. En température maximale, il aura fait 18,2 degrés. Officiellement 18. Parce que 18,2, c'est mon relevé personnel. Et donc 4 degrés pour le minimal. On tient là une première très très belle journée. Sachant que ça va durer jusqu'à vendredi. Pour cette journée du 28 mars 2017, nous pouvons voir qu'il y a pas mal de nuages par rapport à hier, puisqu'il hier il n'en avait pas du tout. Et la température est par ailleurs un peu plus élevé, on va dire, puisqu'il faisait 18 degrés à 15h. Là, il est 16h, il faut que je tende le relevé officiel pour pouvoir vous l'indiquer. La température minimale est à nouveau de 4 degrés. Et puis voilà, il y a ce temps changeant quand même. Il y a même de la convection si on regarde un petit peu plus vers là-bas. Rien de très énorme pour l'instant, mais il y a quand même des développements orageux, notamment dans l'Aisne, l'Oise et la région parisienne, il me semble. Donc il va falloir suivre pour voir s'il va y avoir un petit orage ici. Pour l'instant, rien de sûr, mais nous verrons bien. Alors, pour conclure cette journée du 28 mars 2017, eh bien, vous pouvez voir une averse approche. Et le soleil brille déjà derrière, ce qui donne cette superbe ambiance orangée. Donc du coup, pour conclure cette journée, que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu des couvertures nuageuses, une petite averse de grêle qui a duré une quinzaine de secondes, pas plus. Et au niveau des températures, il aura fait 4 degrés de minimal et 18 de maximal. Ce qui est plutôt pas mal. À 4 degrés du record, encore une fois. C'est très similaire aux températures qu'on a eues hier, finalement, hein, puisque si on regarde précisément, il y avait genre 0,1 d'écart peut-être, mais bon, rien de flagrant. Excusez-moi là si vous avez un peu mal entendu, je me suis reculé parce que je suis un petit peu cette averse. Et quoi qu'il en soit, ben, on se retrouve à très vite, enfin non, à demain même, pour la troisième journée de la semaine. Cette journée du 29 mars 2017 commence sous une couverture nuageuse assez importante. Ça change quand même des journées d'hier et de lundi. Mais la douceur est toujours bien présente puisqu'à 14h, on relève une température de 17,2 degrés. A voir donc ce soir combien a été le maximal. En tout cas, pour ce qui concerne le minimal, il a fait 8 degrés. Donc bien, bien supérieur à mardi et lundi, mais c'est aussi à cause de cette couverture nuageuse. Et donc voilà, on se retrouve à ce soir pour le petit bilan de la journée. Hélicoptère, gnarc gnarc. Bon, à part péter les plombs, que dire sur cette journée du 29 mars 2017, eh bien, en température minimale, il aura fait 8 degrés, tandis qu'en température maximale, il aura fait 18 degrés. Encore une fois, c'est 18, et d'ailleurs, c'est 18,2 précisément à 19h. Donc, c'est un peu plus tard que les autres maximums. Mais bon, voilà, hein. Pourquoi pas. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de 18,2 ces derniers temps. Demain, on s'attend donc à la journée la plus chaude de la semaine.
avec peut-être un record à la clé. Nous verrons bien, ce sera à suivre. En tout cas, vous pouvez voir que en cette soirée, parce que maintenant il est presque 21h, en cette soirée, le temps se dégage enfin. Mais bon, très franchement, il sera resté nuageux un peu toute la journée. Quelques éclaircies malgré tout, hein, bien sûr, mais c'est pas du grand ciel bleu comme lundi. Enfin voilà, quel temps magnifique ce 30 mars 2017. Actuellement, il est 13h30 et il fait 20,4 degrés. Autant le dire, c'est vraiment très doux. Et d'ailleurs, on se rapproche du record qui est de 22,7 en 2005. Donc vous voyez, hein, vraiment un temps super beau. Bon, bien sûr, il y a quelques cirrus, mais c'est vraiment rien de méchant. Le soleil passe tranquillement. Donc on va voir ce soir quel maximum on aura relevé et si le record a été battu. Bon, et bien le petit bilan pour cette journée du 30 mars 2017. Journée assez historique quand même si le record n'a malheureusement pas été battu, mais ça jouait à rien. Au niveau des températures minimales, il aura fait donc 11 degrés et pour le maximal 22,6. Ça veut dire que le record a été frôlé à 0,1 près. Autant le dire, c'est... Bon, on va pas dire que c'est rageant, hein, parce qu'au final, ça a été quand même une journée assez historique en son genre. Mais bon, faut se dire quand même qu'à 0,2 degrés près, le record aurait été battu. Enfin bon, c'est qu'un détail maintenant. On peut dire qu'il a été plus ou moins égalé, avec cette journée vraiment chaude quand même pour la saison. Au niveau du temps, eh bien, il est resté comme actuellement, hein, et comme tout à l'heure finalement, avec un ciel bleu et quelques cirrus. Donc du coup une très 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 belle journée qui va rester mémorable, mine de rien. Demain, nous entamons la fin de semaine et donc il y aura le bilan final. À demain. Et nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 mars. On achève la semaine aujourd'hui. Alors déjà au niveau du temps, ce matin il a commencé avec un ciel un peu voilé mais qui était quand même ensoleillé globalement. Puis en cours de matinée, une averse assez faible est arrivée. Il y a eu de l'orage dans l'Oise, mais ici, ça a été juste une petite averse. Rien de bien méchant. Et donc actuellement, le temps est mitigé, comme vous pouvez le voir. Ce qui fait que bah, c'est un temps qui... Comment dire ? Eh bien, varie en fait beaucoup de fois. Au niveau des températures, alors, ce matin, il a fait un minimal de 11 degrés. Et actuellement, il fait 16,3. Il faut savoir qu'il faisait 16,1 avant une petite baisse suite à l'averse qui est passée. Mais là, voilà, les températures remontent. À voir ce soir, du coup, pour le bilan final. Que ce soit pour la journée ou la soirée. La semaine, je veux dire. Et voilà, la semaine se termine avec ce vendredi qui aura encore eu une température maximale de 18 degrés. Au final, ça fait 4 jours sur 5 où il y a eu 18 degrés. En résumé de cette semaine, eh bien, il n'y a pas énormément de choses à dire finalement puisque le temps il a été assez anticyclonique. Bon, on a eu des journées plus nuageuses que d'autres, hein, notamment ce vendredi. Il y a eu aussi mardi, assez nuageux. Bon, pas exceptionnellement en tout cas, il n'y a pas eu de pluie, ou alors une toute petite averse qui n'a vraiment rien donné vers ce midi. Mais voilà, on retient surtout la journée de jeudi avec son 22,6 degrés, qui a frôlé le record de vraiment rien du tout. Ouais, vraiment une semaine en or, autant le dire comme ça, c'est vraiment la façon de la décrire cette semaine. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis bah pour les nouveaux, bah c'est la même chose, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes futures vidéos. Et puis voilà, hein, quant à moi, je vous retrouve à très vite. Et puis bah d'ici là, prenez soin de vous, à bientôt les amis.